tous sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, bienvenue. Et pour ben, du coup ceux qui ont déjà vu ma première vidéo, ben, merci et bienvenue encore. Donc à la suite de ce vlog, donc, j'ai fait pas mal de librairies dans Paris. J'ai fait du coup des librairies américaines pour la plupart. J'ai fait du coup la librairie américaine à Opéra, celle The Abbey Bookshop. Du coup, à Saint-Michel, j'ai tenté de faire Shakespeare & Co, mais il y avait la queue, donc flemme. J'en ai fait une autre aussi à Odéon, enfin à Saint-Michel, par là. Et je crois que c'est tout. Je me souviens plus. Mais bon, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait un François-Zir à Châtelet, enfin proche de Saint-Michel. Non, je dis des bêtises. Près de Rivoli. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'était une grande découverte. Donc, j'y suis rentrée. Elle était très sympathique, la vendeuse et tout, la libraire. Et vraiment, c'était super sympa. Et je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté lors de ces petites sorties librairies. La plupart ont été des sorties librairies un peu, comment dire, programmées. Et une où, ben, du coup, je suis vraiment rentrée dans François-Zir parce qu'on revenait de l'expo d'une designeuse américaine avec des copines. Et en fait, je suis passée à côté et voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, mis à part la librairie américaine, j'ai aussi fait Gibert. À Saint-Michel et on a fait aussi Galligani, mais j'ai rien acheté à Galligani. Et une autre librairie d'occasion aussi vers Saint-Michel, il y en a plein dans Paris, mais moi je ne connaissais pas vu que ben en fait j'ai appris à lire récemment en juin dernier. J'ai commencé à aimer la lecture en juin dernier, donc forcément j'ai encore plein de choses à découvrir et aussi plein d'endroits à découvrir. Donc, c'est ce qui est cool. Comme ça, ben, vous découvrez avec moi ou ben, ceux qui connaissent, ils découvrent avec moi. Enfin, ils ne découvrent pas, mais ceux qui ne connaissent pas, qui sont comme moi aussi, des jeunes lecteurs, ben, vous allez découvrir avec moi. Du coup, alors ça, j'ai acheté ça à Gibert. À Gibert Joseph, je crois que maintenant c'est... Non, maintenant c'est plus des jeunes, c'est des Joseph, c'est que des Joseph. Donc, je me suis acheté donc un chair de poule, parce qu'en fait j'en ai jamais lu. Voilà, j'en ai jamais lu. Donc, La malédiction de la momie. Donc, je pense que c'est plus vraiment à présenter, les petits livres de... les petits livres... à partir de 9-10 ans, enfin jeunesse, d'horreur qu'on lisait. Moi, par contre, quand j'étais petite, il y avait l'émission, enfin, il y avait la série, et ça me faisait trop peur, le passage du chien. Donc, bon, voilà, c'est l'anecdote. Je me suis donc prise La malédiction de la momie. Je me suis prise le tome 1 de Georgia. Donc, Mon nez, mon chat, l'amour et moi. Donc, bah voilà, pareil que j'ai jamais lu. Et que ben je me suis dit pourquoi pas tenter. Voilà, c'est un peu des livres un peu pas cultes, mais un peu de ma génération, de mon enfance, que ben du coup j'aimerais bien découvrir. Et aussi donc à Gibert encore, je me suis prise, donc j'avais déjà La malédiction de Clark, et du coup il me manquait La couette de l'oubli. Donc voilà, le roman du donjon de Neil Buck, du coup de John Lang. C'est des gros bébés. Celui-ci en plus, ben, je ne vous ai même pas dit les prix. En euros, 1 euro, 2 euros. Voilà, c'est vraiment la magie des livres d'occasion. C'est ça. Il n'y a que pour ça que j'adore les livres d'occasion. Et du coup, oui, c'est quand même des gros bébés parce que voilà, c'est des grands formats. Mais c'est quand même écrit à l'intérieur. Enfin, c'est écrit petit. Enfin, hein, la mise en page
elle est dense, quoi. Donc, on va voir si j'arrive à les lire. Celui-ci, c'est du coup, c'est le tome qui arrive après. Soit si vous aviez écouté les... Enfin, si vous connaissez déjà, vous avez écouté les audios. Moi, j'écoutais les audios quand j'étais petite. Et sinon, ben... Sinon, il y a les BD. Voilà. Donc, j'en ai le book. Donc, voilà. J'étais trop contente. Je me le surprise. Voilà. Ensuite, à The Abbey Books. En fait, j'hésite avec Bookstore et Bookshop, mais je pense que c'est Bookshop. À The Abbey Bookshop, je me suis pris juste un livre, en fait, parce que j'ai un peu craqué juste sur la couverture. Enfin, j'aimais bien la vibe que ça me donnait. Donc, voilà, c'est un livre. C'est vraiment l'achat compulsif. C'est l'achat de j'ai pas regardé et ben je vais découvrir. Voilà, c'est A Sentimental Journey. And the Journal to Elisa. Donc voilà, il y a plein d'auteurs qui sont cités sur la quatrième de couverture, dont Jane Austen. Mais du coup, à voir ce que ça, de quoi ça parle. Et bah, je pense que c'est très romantique, sentimental, etc. Et du coup, à voir de quoi réellement ça parle. Et si c'est intéressant ou pas. Après, le livre est très beau parce que j'ai bien aimé ce côté. Bah, du coup, c'est un vieux livre, hein, forcément. Et je sais pas, il m'a un peu tapé dans l'œil. Donc, je l'ai pris. Et un peu cher quand même, hein, pour un livre comme ça. Mais bon, comme ce sont des livres en VO, donc et, ben, ils sont pas soumis à la loi, tout ça. Donc, voilà. Et c'est bien Bookshop. The Abbey Bookshop. Voilà. Ensuite, je suis allée donc dans une librairie. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Bouligné. Franchement, je ne me souviens plus du nom. Moi, je vais dans des endroits, je vois des livres, j'achète et je pars. C'est ça mon problème. Donc, dans cette librairie, donc j'ai un peu craqué mon slipos. Je me suis achetée parce que. Voilà, je suis une grande amatrice de clamps. Les chevilles, je les ai vues bah, quand j'étais petite. Hein, voilà. Et j'ai pu enfin, sauver juste un tome de chevilles. Parce qu'en fait, je crois que c'était même pas les miens. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai que le tome 1 de cette édition. Enfin, c'est la première édition de chez Pika. Et en fait, j'ai trouvé le tome 3. Le tome 7 et le tome 8. Donc je me suis dit, oh my god! Et je les ai pris. Je les ai pris parce que, bah, en fait, ça par contre, c'est vraiment une collection. Bah, c'est des caprices, quoi. Parce que du coup, je les ai réachetés dans la nouvelle édition. Qui sont, enfin là, ils sont tout gris, là. Non, je sais pas, non, on les voit pas, mais bon, ils sont tout gris, en fait. C'est pas blanc, c'est gris. Donc, voilà. Et à 2,50 chacun. Et c'était une aubaine. Ils avaient aussi Dears, mais que le tome 2. Ça m'a saoulée. Parce que j'ai le tome 1 et 2. Donc, j'ai aucune utilité d'aller tâcher le tome 2. Donc, voilà. À cette même librairie, je me suis prise aussi le Serment de l'Orage. Il me semblait l'avoir vu passer sur Booksta. J'ai lu vite fait la quatrième de couverture, c'est avec des chevaliers et tout, genre l'héroïque fantasy, genre j'aime bien. Donc je me suis dit, allez, 2,50 €, donc je me suis dit, pourquoi pas, et puis de toutes les façons, s'il ne me plaît pas, ben, soit je le revendrai sur Vinted ben, au même prix, voire moins cher, vu que ben, avec les frais de livraison et tout, c'est pas ouf, ou alors je le mettrai en boîte à livres. Mais il est en très bon état, hein. Vraiment. Et à cette même librairie, du coup, j'ai pris hop, un petit album. Donc, La famille Passiflore. C'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite aussi. Donc, quand j'ai vu, en fait, je savais pas que c'était une BD de base. Et quand j'ai vu, j'ai fait, oh, 5 euros. J'ai vu les prix sur Vinted. Il y en a qui se revendent à 50 euros. Pourquoi? Je comprends pas. Enfin, après, sur Vinted, j'ai l'impression, parfois, il y a des éditions ou des livres ou des choses qui se vendent à hors de prix, alors que dans des librairies d'occasion, etc., on peut chiner et les trouver vraiment pour
en fait, au final, pour le prix qu'ils valent. Enfin, bref, c'est comme les Harry Potter Gallimard grand format, où en plus de ça, j'ai reçu le tome 2 aujourd'hui, que j'ai acheté à un prix du coup abordable. Mais quand je vois que le tome 3, il y a des personnes qui le vendent 80 € ou même 40 € avec une page déchirée, moi, ça me met hors de moi, quoi. Enfin, à un moment donné, enfin, il y a des choses à se faire de l'argent dessus, et puis il y en a d'autres, ben, il faut juste être honnête. Voilà, il faut juste être honnête. Mais bon, bref. Donc, La Famille Passiflore, qui est un album, du coup, ben jeunesse, hein, si ça parle d'une famille de lapins et tout. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais tellement, mais tellement la série, parce que ben, du coup, j'ai un petit frère, et je crois que c'est lui qui, enfin, quand on mettait la télé, ça passait, et ben, du coup, je regardais avec lui, et j'aimais beaucoup. Donc, voilà les petites illustrations. Et vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir eu pour 5 €. 5 €, voilà. Et en très très bon état. C'est la personne qui l'a déposé dans cette librairie, elle prenait bien soin de ses affaires. Voilà. Et ensuite, avec du coup une amie, on est parti donc à la librairie. Je vais vous le dire tout de suite, San Francisco Books. À Odéon, du coup, San Francisco Books à Odéon, qui est une librairie du coup, bah, anglaise américaine, d'occasion et de livres neufs. Et en fait, c'est la librairie VO où je me suis sentie le mieux, on va dire, parce qu'elle est toute petite, enfin, elle est toute petite, elle est cosy, elle est petite, mais sans qu'on soit trop trop étriqué, comme par exemple dans The Abbey Bookshop, où, mais en fait, cette librairie, c'est autrement. C'est énorme, les bibliothèques qui vont. Enfin, je pense que vous avez vu dans le vlog. Du coup, dans cette librairie-là, c'était sympa. Il n'y avait pas beaucoup de monde en plus. Donc, on a pu chiller et tout, vraiment regarder chaque livre. Donc, dans cette librairie, je me suis prise le tome d'Agatha Reza and the Curious Curate. Et donc, voilà, effectivement, comme j'ai envie de lire plus de VO. Et donc, je voulais pas partir dans des récits beaucoup trop compliqués, des thrillers ou même des récits fantastiques ou fantasy beaucoup trop compliqués. Même si j'ai déjà Le Prince Cruel, qui était déjà assez compliqué comme ça pour le premier tome. Donc, je me suis dit une petite lecture. C'est du cozy mystery. C'est sympa. C'est comme un peu dans les vibes de ce que j'ai pu comprendre, parce que du coup, ils sont aussi en français. C'est aussi, enfin, c'est une petite série un peu à la Agatha Christie, un peu à la Jessica Fletcher, voilà, arabesque et tout ça. Donc, moi, ça m'intéresse, j'aime bien parce que bah, du coup, bah, j'ai grandi en fait dans tout ça, dans arabesque, Poirot, même la petite vieille, là, comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, voilà, tous les petits trucs comme ça. Donc, pourquoi pas tenter, pourquoi pas tester? Donc, je me le suis prise. 5 €. Voilà. Contrairement à The Abbey Bookshop, où, vous voyez, le livre que je me suis prise, le livre vert, j'ai payé 15 €. Voilà. Voilà. Et du coup, je suis retournée encore à JB. Parfois, on aime bien. Il y a des petites librairies comme ça où on aime bien y retourner, puisque bah, c'est comme ça. Et là, je me suis prise donc 2 tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. À savoir que j'avais déjà, bah, petite, ma mère m'avait acheté à la sortie, elle m'avait acheté les 3 premiers tomes, mais je ne lisais pas. En tout cas, je ne lisais pas de romans petite, c'était les BD, les BD, les BD, les mangas. Voilà. C'est le reste, non. Des trucs où il n'y avait pas d'image, non. Où il y avait des grandes pages avec plein de mots. Non. Donc, je me suis prise donc 2 tomes des orphelins Baudelaire, et parce que j'ai recommencé ma collection, et je pensais que je n'avais pas le tome 6, mais en fait je l'ai déjà. Donc voilà, j'ai un tome en double. Mais comme j'ai une copine qui va
redémarrer les désastreux, enfin redémarrer, elle va démarrer tout court parce qu'elle ne connaît pas les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc je lui dis, écoute, je te le garde. Si tu kiffes le tome 1 et 2, bah au moins tu auras le tome 6 si tu as envie d'avancer dans la saga. Donc voilà, et je n'avais pas le tome 7. Donc maintenant, il me manque, parce que du coup, j'ai jusqu'au tome 9. Donc il me manque le tome 10, 11, 12 et 13. Il me manque 4 tomes pour finir enfin. Et c'est vraiment l'une des relectures que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, tous les achats que j'ai pu faire lors de ces sorties. J'avais dit que j'achetais plus. En fait, j'avais dit j'achetais plus de livres neufs pour l'instant parce que j'ai plein de choses en cours. J'ai plein de. En fait, j'ai plein de livres à lire. Et du coup, bah, il faut peut-être que je baisse un peu le pourcentage de livres non lus de ma bibliothèque. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça s'arrête ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir à commenter aussi parce que ben, du coup, je réponds à vos commentaires et ça fait super plaisir d'avoir des retours ou des petits mots sympas, des retours forcément constructifs et tout. Donc, ça fait plaisir pour moi de les voir, de les lire et ça met aussi un petit lien entre nous. En barre d'infos, bien sûr, j'ai mis toutes les adresses des librairies où j'ai pu aller. Pour ceux qui ne les connaissent pas ou ceux qui les connaissent mais qui veulent. Regarde, je sais pas, y retourner. Ou alors qu'ils les connaissent juste de nom mais qui n'ont pas l'adresse, ben vous avez les adresses en barre d'infos. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine. Bye!